Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs ça fait donc un an que j'ai lancé ma chaîne, car j'ai fait cette première vidéo il y a un an, donc sur mes cadeaux d'anniversaire de l'an dernier. Voilà, donc là je reviens avec mes cadeaux de cette année. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc juste avant de parler de mes cadeaux d'anniversaire, je vais vous parler de Elle Beauty qui m'a encore envoyé donc deux produits. Le premier c'est une palette pour les yeux, donc elle se présente comme ça. Donc la boîte extérieure est tout de marbre avec donc sa marque Elle Beauty, et à l'intérieur donc ensuite ça se présente comme ça, la palette avec les différents fards. Il y en a 9 en tout. Et pour finir, j'ai reçu un lipstick de la teinte numéro 19 qui est un petit peu plus foncé, un peu bordeaux. Voilà, et donc maintenant c'est parti avec mes cadeaux d'anniversaire. Donc je vais commencer avec les cadeaux que j'ai reçus de mon copain et ma famille, et ensuite tout ce qui sera de mes amis. Donc tout simplement de mon copain, ce que j'ai reçu, c'est deux colliers de la marque Thomas Sabot. J'adore énormément cette marque. Le premier collier, c'est un petit cœur avec des petits diamants dessus argentés et un petit anneau autour. Et donc le deuxième collier que j'ai eu est trop beau. Donc en fait c'est un collier mais il y en a deux en même temps, un plus court et un plus long. Donc c'est une plume et le plus petit dessus il y a un petit anneau, un petit cercle. Je trouve ça super joli. Ah donc ça c'est de mon copain. Donc de ma maman, j'ai reçu un week-end pour aller à Disney, donc je suis trop contente. Voilà, donc j'ai reçu ça comme ça, le livre Disneyland Paris. Donc je suis trop contente, donc j'ai passé un week-end avec elle. Et il y a une de mes amies qui était dans la combine avec elle. Donc ma copine m'a pris l'entrée au parc. Et donc ma maman m'a pris tout ce qui est hôtel, le train, le trajet, tout ça. Voilà, donc je suis trop contente. Donc ensuite, de mon papa, donc j'ai eu la palette Huda Beauty, la Nude. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur cette palette, je l'adore, elle est magnifique au niveau de la pigmentation et les paillettes elles sont juste incroyables. Je suis vraiment contente de cet achat. Elle est vraiment incroyable cette palette, je suis vraiment contente de l'avoir reçue. Donc voilà, gros coup de cœur. Et donc pour finir, de ce qui est ma famille, j'ai reçu un soin de chez Beauty Success, c'est un modelage relaxant corps. De 30 minutes, voilà, donc je suis contente, ça va bien me relaxer, me détendre. On va passer au cadeau de mes amis, de mes copines. Donc j'ai été énormément gâtée. Donc en premier j'ai reçu un calendrier de l'Avent de la marque Nocibé. Donc tout simplement tous les jours j'ai un cadeau du 1er jusqu'au 24 décembre qui se présente comme ça. Ensuite j'ai reçu un boucleur, donc j'en avais déjà un. Mais la particularité sur celui-ci, c'est qu'en fait, il y a 5 tiges, il y a 5 embouts différents. Donc la boîte se présente comme ça. Donc ça, je trouve ça top. Donc j'ai 5 embouts différents encore. Bah là, par exemple, j'en ai fait des toutes souples. Voilà. Et quand je veux faire des plus serrées qui partent d'en haut du crâne, pour faire vraiment beaucoup de volume, donc là, il me faudra des plus fines. Donc ça, je trouve ça super pratique. Et donc il y a un petit gant avec pour pas se brûler les doigts. Voilà, donc ça se présente comme ça avec 5 embouts. Donc je suis vraiment contente parce que je voulais vraiment un boucleur avec différentes tailles pour faire différentes boucles. Ensuite, j'ai reçu un t-shirt d'une de mes copines, où notre surnom c'est Monaleur. Voilà. Et le petit clin d'œil, elle m'a fait un t-shirt, donc elle aussi elle a le même. C'est un t-shirt tout simple, basique blanc avec écrit Monaleur dessus en rose pâle, rose clair. Donc je trouve ça trop chou pour mettre en pyjama le soir, enfin voilà, et du coup on a le même. Donc ensuite de la marque Huda Beauty, j'ai reçu un petit set, donc c'est une forme de bouche. Et à l'intérieur, donc il y a deux lipsticks et un crayon à lèvres. Je trouve ça magnifique, et dessus elle a gravé Naomi, je sais pas si on verra bien, avec un petit cœur au-dessus. Voilà, donc ça là je pourrais encore la garder, la boîte, je trouve ça trop mignon. Ensuite pour mon appareil photo, donc mon réflexe, le Canon G7X. Ah, tout simplement je voulais une petite coque toute simple, donc elle est en silicone blanche. Voilà. Donc ça c'est pratique, c'est une petite protection, malgré que je l'ai dans une housse, ben, au moins quand je tiens l'appareil photo, s'il tombe, ben, au moins j'ai une petite protection toute simple comme ça en silicone. Donc ensuite j'ai reçu tout simplement deux pinceaux.
Ensuite de la marque MAC, c'est un rouge à lèvres. Donc je pense que c'est une édition spéciale. Donc je trouve que la couleur elle est vraiment sympa. Et donc la teinte s'appelle Painted Sunset. Désolée pour mon anglais. Voilà. Ensuite j'ai une palette de la marque Max & More. Il y a 24 fards. Je vais les montrer. Donc ça se présente comme ça. J'ai eu deux gros pots de paillettes avec un petit pinceau. Je trouve ça toujours pratique pour les festivals justement ou des fêtes comme ça ou pour des maquillages un petit peu recherchés. Je trouve ça pratique. Ensuite j'ai un parfum d'intérieur, je trouve ça vachement pratique, donc moi j'en ai, en plus il est bientôt vide le mien, c'est goût vanille. Donc là du coup j'en ai différents avec les petits bâtonnets, je trouve ça super pratique. Et donc ils l'ont aussi en spray comme ça. Donc ensuite j'ai eu un nouvel éclairage, donc je suis trop contente pour filmer, donc qui est beaucoup plus puissant au niveau de l'intensité de la lumière, donc je suis vraiment contente d'avoir eu cette nouvelle lampe. Ensuite de ma collègue, je travaille dans l'animation avec les enfants, j'adore jongler et je voulais avoir mes propres balles de jonglage pour moi. Donc voilà, elle me les a offertes, elles sont vraiment de bonne qualité, je les adore, on les trouve sur Amazon tout simplement. Et donc en fait automatiquement elles font plusieurs couleurs si j'arrive à les allumer. Donc c'est un jeu de 3 balles. Ensuite j'ai eu un parfum de la marque Zadig & Voltaire, Just Rock, c'est vraiment un de mes parfums favoris avec Jimmy Choo et Mademoiselle Coco, l'intense, mais c'est vraiment un de mes favoris ce parfum, il a une odeur, c'est incroyable, donc il se présente comme ça et je l'ai eu en 100 ml. Donc je suis vraiment vraiment fan de ce parfum. Ensuite j'ai eu un petit tableau lumineux où on peut écrire des choses dessus, donc je trouve ça sympa en déco dans la chambre. Donc ensuite j'ai une bougie, elle est super mignonne, patchouli, voilà. Je trouve ça joli avec les petits motifs dessus. Donc ensuite de chez Yves Rocher, j'ai reçu un gel douche et un gommage au goût mangue. J'adore ce parfum là, donc ça tombe vraiment bien, voilà. Ensuite j'ai eu 4 petites papillotes trop choux qui se présentent comme ça de différentes teintes et à chaque fois il y a autre chose à l'intérieur. Donc un par exemple c'est une crème pour les mains, un gel douche, une lotion pour le corps et pour finir un gommage pour le corps. Voilà. Ensuite de la marque Les Interchangeables, j'ai eu 4 petits bracelets, ils sont vraiment magnifiques au niveau des couleurs, j'adore. Enfin, c'est discret et avec des petits strass paillettes, j'adore. C'est trop beau. Ensuite, j'ai reçu un lot de 3 limes à ongles, un petit peu customisées. Il y en a une paillette, une pailletée léopard et une en effet croco serpent, comme ça. Ensuite j'ai reçu un ensemble de mini produits à lèvres et pour le teint, donc c'est un highlighter avec un petit gloss à lèvres, donc je trouve ça trop chou, de la marque Fenty Beauty. Ensuite, spécial manicure, donc c'est un petit pot en verre comme ça, tout mignon, tout cute. Et à l'intérieur, bah, y a une petite lie, un coupon ongle, enfin plein de petites choses comme ça, un petit set pour faire la manicure. Ensuite j'ai eu encore une bougie, un an de plus, ça se fête, voilà, donc c'est une mini bougie. Ensuite j'ai une palette qui se présente comme ça de la marque Mickey. Donc au niveau des teintes, c'est des basiques, je trouve ça super joli. Ensuite j'ai eu un parfum, la petite robe noire, 15 ml, et ce qui est trop chou dessus, donc comme ça il se présente. Et donc dessus il y a gravé Naomi avec un petit cœur dessus.
Donc ensuite de la marque Sephora, j'ai une poudre de soleil de la teinte numéro 2 médium. Donc je l'avais déjà celle-ci et elle est bientôt vide, donc ça tombe bien que j'en ai eu une nouvelle. Ensuite j'ai un mascara de chez Yves Rocher, volume déployé, donc il se présente comme ça. Ensuite c'est un petit verre pour l'été, pour mettre des fruits avec de l'eau, pour boire un thé tout simplement. Et il est en verre. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais vous mettre juste ici. Et je remercie mille fois mes amis pour tous les cadeaux que j'ai reçus, j'ai été vraiment gâtée. Bye !